suivons le regard de Raoul Christophe Bia. Quand on dit au Cameroun qu'on est tous nés avant la honte, c'est parce que nous voyons au quotidien les choses normales devenir anormales. Il s'appelle Jean-Pierre Amourobilinga, le somme-loi des hommes-lois, est un prisonnier ambulant qui a tellement de cadavres dans ses placards. Cette fois, il est tombé sur un homme qui ne rigole pas, dans un pays en pleine renaissance. Le somme-loi des hommes-lois, frustré depuis l'enfance de ne pas être né avec de bons gènes. Jean-Pierre Amourobilinga est devenu un grand chauffeur de salle à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Ses parents savaient déjà qu'il serait un fugitif. Depuis son départ à la prison centrale, les habitations parentales dont il avait promis qu'il les rebâtirait ont gardé la même position acrobatique. Une position qu'il affectionne très bien parce qu'il s'avère, pour ceux qui ne le savent pas, que notre somme-loi des hommes-lois est un grand danseur du Ndombolo et du Mapuka. Normal, son bâton de commandement est depuis longtemps au repos tombeau. On se comprend. Notre dernière chicotte, utilisée contre ce petit gigolo, toujours aussi rigolo, l'avait pourtant mis hors état de nuit durant des mois. Et toute la République était satisfaite et avait longtemps respiré. Contre ses multiples calomnies et invectives envers les personnalités politiques et même administratives et hommes d'affaires. Mais visiblement, Jean-Pierre Amourobilinga a pris le temps de digérer et de récupérer. Le somme-loi des hommes-lois avait eu tellement mal au point de payer quelques mercenaires au couteau toujours tranchant, passant par les mains pour les chanceux et par la gorge pour les mal-aimés. Voici Jean-Pierre Amourobilinga qui passe le temps à dire du mal sur tous les responsables africains et principalement les personnalités camerounaises, était lui-même en réalité un véritable prophète de Baal qui n'a pour vocation que le mensonge et la calomnie. D'après nos informations, Jean-Pierre Amourobilinga souffre des hémorroïdes externes et internes en même temps. Il lui est interdit de rire à haute voix pour éviter de brutaliser le muscle affaibli par son jeu favori appelé « Je me courbe » et l'autre dit « Tu te courbes ». Heureusement pour lui que la science a fait des miracles en chirurgie. Mais à force de se faire opérer du derrière, à la prison centrale, Jean-Pierre Amourobilinga va bientôt finir en arrière. C'est moi la danse, petit. Tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes.